Est-ce qu'il vous arrive d'avoir mal au cou, dans les épaules après une journée de rando? Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils pour vous aider avec ça. Je reçois Amine qui a passé une super journée hier sur les sentiers. Par contre, il me disait qu'il en paye un peu le prix ce matin. Il a le cou et les épaules qui le font souffrir. À quoi attribuer cette douleur? Quand on fait un effort de longue durée, par exemple, une rando d'une journée complète et qu'on n'est pas habitué à ce type d'effort ou encore qu'on n'a pas l'habitude de porter un sac à dos, même si celui-ci est bien ajusté, qu'on utilise des bâtons de marche pour s'aider, mais que peut-être on met un peu trop de poids sur ceux-ci, il s'agit d'un ensemble de facteurs qui peuvent expliquer un inconfort le lendemain qui met un nuage sur la belle activité de la veille. Maintenant, je vais vous montrer quelques trucs de physio pour soulager la douleur ou un inconfort comme celui d'Amine. Je commence avec un exercice facile à faire pour soulager la douleur au cou. La traction cervicale. Amine, tu vas placer tes petits doigts juste derrière les oreilles comme ça, puis tu tires vers le plafond. Maintiens la traction quelques secondes, c'est pas plus compliqué que ça. Un autre petit truc pour soulager la douleur au cou ou aux épaules, c'est d'appliquer une pression contre le mur avec une balle. Amine, je vais te demander de te tourner. Donc, on trouve le point de tension, on place la balle, on maintient une pression de 30 à 60 secondes pour un relâchement optimal. À la maison, vous pouvez aussi utiliser une balle de tennis ou une balle de golf sans problème. Une application d'une vingtaine de minutes de chaleur peut être efficace pour soulager les tensions musculaires au niveau du cou. À la maison, le bon vieux sac magique peut très bien faire l'affaire. Si toutefois les douleurs persistent, n'hésitez pas à consulter votre physio. Bonne rando!